Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 9e épisode consacré aux animés que j'ai vus et qui sont sortis durant la saison printemps 2020. Et durant cette saison-là, il y a eu un animé humour dont c'était la 2e saison déjà. Je parle bien entendu de Kaguya-sama, Love is War. Alors l'histoire, en fin de compte, est très simple puisque c'est deux lycéens, le président du BDE et sa vice-présidente, qui sont amoureux l'un de l'autre. Cependant, ils ne veulent pas l'avouer à l'autre puisqu'ils ont une conception de l'amour bien différente. Ce qui fait que le président du BDE ainsi que sa vice-présidente vont tout faire pour faire en sorte que l'autre va avouer son amour qu'il a pour lui et afin ensuite de le soumettre puisqu'il aura perdu le jeu, la guerre de l'amour, Love is War. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ici, alors ça se passe pas forcément que dans les classes ou ce genre de choses, ça se passe vraiment dans le bureau du BDE puisque tout ou presque de notre aventure se passe dans le bureau du BDE et au sein de l'établissement du lycée qui est un petit peu particulier puisque en fin de compte c'est un lycée très huppé où il n'y a que de riches familles qui y vont. Sauf que le président du BDE en fait est un externe. Ça veut dire qu'il n'a pas fait sa scolarité ni sa primaire, ni sa maternelle, ni sa primaire, ni son collège dans cet établissement-là, mais il est rentré du fait de ses notes et de ses bonnes notes et de son intelligence au lycée pour avoir après une place spécifique à l'université pour en gagner gratuitement en fin de compte parce que sa famille, elle, n'est pas riche comparée aux autres. Ainsi, c'est un contexte bien particulier, ce qui fait que une des protagonistes, donc Kaguya-sama, ou Kaguya tout court, est une famille très très riche, avec une servante, avec pas mal d'argent, et nous voyons donc pas mal de personnages qui ont des affiliations avec le monde politique, de la justice, ou associatif. Et ce qui fait qu'on brasse vraiment pas mal de comportements différents les uns des autres. Et en plus, tout est bien fait pour qu'il y ait de l'humour, des gags, et à chaque épisode, et les épisodes se suivent, en fin de compte, ils ne se ressemblent pas. Et je pense que c'est vraiment un gros point fort de cet animé-là, parce qu'en fin de compte, les animés d'humour, en règle générale, au bout de quelques épisodes, on s'en lasse parce que c'est toujours rébarbatif, on est toujours dans le même type d'humour, dans les mêmes gags, et de ce fait, on n'arrive plus à rire. Et là, pour moi en tout cas, pour cette seconde saison, j'ai réussi à rire à chaque épisode, à gorge déployée, sans aucun problème. Bon, je dois quand même vous avouer que je n'ai pas vu la première saison de Kaguya-sama Love is War, donc pour moi c'est une découverte totale. On me l'avait vendu comme étant une sorte de Death Note de l'amour et de l'humour. Bon, je n'ai pas du tout retrouvé les combats d'intelligence qu'on pourrait avoir dans Death Note, mais bon, bref. Passons. Il n'empêche que j'ai passé un très très bon moment durant ces 12 épisodes qu'a comporté cet anime-là durant cette saison printemps 2020. Alors pour ceux qui ont lu les mangas ou qui voudraient bien voir l'anime, on est sur l'arc de la réélection du BDE puisque le président du BDE donc, allait rendre son tablier. Parce qu'en étant président du BDE, il allait pouvoir avoir une recommandation spéciale du lycée. Sauf que comme Kaguya allait plus pouvoir avoir de relations avec son président et que, comme c'est dans deux classes différentes, elle a tout fait pour permettre qu'il soit réélu président. Donc c'est vrai qu'il y a tout un acte de réélection avec l'introduction d'une autre personne qui est, elle, la chef de la discipline du bureau de la discipline des étudiants. Donc ça nous a permis de rencontrer une autre personne en ayant un autre regard sur la situation entre Kaguya-sama et notre président du BDE. Et ensuite la fête du sport et plein d'humour comme ça qui ont été vraiment très cocasses. En plus, autre point très important, et comme vous avez sans doute vous rendre compte depuis le début de ces épisodes que je fais sur les animés printemps 2020, je déteste les animés ichi, en tout cas ichi pour le ichi sans qu'il y ait de raison particulière, parce que je me souviens qu'il y a un animé qui est sorti en été 2013 ou 2014 qui faisait que de l'ichi, mais c'était un animé extraordinaire, bourré d'humour, et l'ichi était au cœur même de l'histoire. Donc bon, mais ça je en ferai un épisode dessus quand je ferai les animés spéciales durant cette saison là bien entendu, mais il n'empêche que donc il n'y a pas de ichi ou très 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 peu, c'était très dilué par rapport à ce qu'on pourrait connaître dans d'autres animés de ce type là donc c'est un très bon point positif. L'animé, je pense pas qu'il se répète trop, en tout cas je n'ai pas trop eu l'impression pendant cette saison là bref, bien desservi. Alors après, par contre, on peut pas trop critiquer en fin de compte les animés d'humour, parce que sur d'animés là, à mon sens, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe, c'est bon, on sait qu'on est là pour rire, donc il n'y a pas trop de
parce que si on rigole, tant mieux. Si on rigole pas, bah, c'est que la sauce n'a pas pris, un point c'est tout, quoi. Il n'y a pas trop de critiques à faire par rapport à ça. C'est peut-être le point le plus défavorable des animés humour, c'est qu'on ne peut pas trop en parler, on va dire, on peut pas donner trop un avis trop détaillé, ou on peut pas trop expliquer dans les détails, parce qu'il n'y a pas trop de sens, parce que sans contexte, en fin de compte, des épisodes de la suite des uns des autres, eh bien, il n'y a pas vraiment d'humour qui peut en ressortir. Donc voilà, donc c'était juste mon avis, moi, personnel, par rapport aux animés humour. Bref, c'était Kaguya-sama Love is War, et je vous conseille de le regarder pour rigoler un bon coup, et je vous dis à bientôt pour la suite des animés que j'ai vus dans cette saison printemps 2020.